Bonjour, c'est Edmond. Voici le retour de Klezmer Attitude, l'émission de musique, des musiques, les musiques qui sont souvent faites de rencontres, des rencontres d'un jour ou des rencontres d'une vie, des rencontres qui donnent lieu à des créations, à des moments qui sont quelquefois magiques quand les styles se mélangent et quand ils inventent un nouveau monde. Et bien, c'est le cas de la présentation d'aujourd'hui. Helmut Ezel, clarinettiste, Joshua Stephen, guitariste, ils se sont rencontrés il y a 4 ans et ils ont sorti un album qui s'appelait Gypsy Meets Klezmer, la guitare gypsy qui rencontre la musique klezmer, un mélange de clarinette klezmer et de guitare manouche. Et c'est un album qui renouvelait un petit peu le genre de la musique klezmer. Et le duo s'est reformé et il a ressorti un deuxième CD. Et c'est ce CD que je vous présente aujourd'hui et on commence tout de suite avec un extrait. Ça s'appelle Anniversary Song. Thank you.
Anniversary Song, c'était Helmut Ezeil à la clarinette, Joshua Stephen à la guitare. Et voilà, le mélange d'une clarinette klezmer et du rythme d'une guitare manouche, c'est vraiment une recette qui marche bien. Et le morceau qu'on vient d'écouter, Anniversary Song, c'est une composition de Saul Chaplin. C'est un compositeur américain qui a composé notamment des musiques de films. Et il a composé cet air qui est devenu assez connu, assez classique. Voilà un deuxième air. Là, c'est une composition de Helmut Ezeil, le clarinettiste. D'ailleurs, il y a pas mal de compositions dans cet album qui vient de sortir. Là, je vous propose Babsi's Decision. Babsi, c'est la femme de Helmut Ezeil. Et donc, il lui a dédié ce morceau, Babsi's Decision. Thank you.
D'écouter une composition d'Helmut Hessel, le clarinettiste Babsis Decision. Allez, un autre morceau maintenant, un classique du klezmer qui a été interprété par Naftule Brandwein ou Gura Feidman et qui a aussi été réinterprété par nos deux compères d'aujourd'hui. Alors je vais vous proposer d'abord la version de Gura Feidman. Donc Gura Feidman, le fameux clarinettiste klezmer, enfin c'est l'un des précurseurs de cette musique aujourd'hui en tout cas. Et donc là, il est accompagné à la guitare et aux percussions, et lui il est à la clarinette. Le morceau s'appelle Sami Frelar. Vous avez reconnu, j'espère, la clarinette inimitable de Gura Feidman dans Sami's Frelar. Alors, la sonorité, elle est clairement lisible ici, avec son plaintif, qui est vraiment caractéristique. Et maintenant, on va écouter ce qu'en font Helmut Hessel et Joshua Stephen. Il y a un joli solo de guitare, il y a un dialogue avec la clarinette qui enrichit bien le morceau. Enfin, moi, je trouve, j'aime bien,
hein, n'en déplaise aux adorateurs de Györa Feinman, voici le Samis Frelach du duo Ezel-Stephen. Stephen, Samis Frelach tiré de leur tout dernier album. On en écoute un autre, hein, on est parti, China Boy. Hein, le morceau qui va venir, c'est un standard du swing qui a été créé par Django Reinhardt et Benny Goodman. Django Reinhardt, hein, l'inventeur de la guitare manouche, Benny Goodman, le grand clarinettiste et juif de surcroît, eh ben, on comprend qu'il se soit retrouvé dans cet album, China Boy. We'll be right back.
le China Boy, hein, l'air de Django Reinhardt repris par nos deux compères. Et on va terminer notre émission et la présentation de ce CD de guitare manouche et clarinette klezmer par le très fameux « Ah, si j'étais riche », hein, de la comédie musicale « Un violon sur le toit ». Voilà, les deux musiciens s'en donnent à cœur joie pour notre plus grand plaisir et j'espère que ceci va vous faire plaisir. « If I were a rich man »,« Ah, si j'étais riche ». Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite de passer une bonne semaine. Thank you.